Monsieur le président de la République, qu'est-ce que vous attendez? Je parle des 11 millions de dollars américains, 19 millions de dollars américains. Vous savez, ça peut faire quoi? Maman et moi, les enfants sont en train de mourir sans couveuse, monsieur le président. 11 millions de dollars, on va nous acheter combien de couveuses, monsieur? 11 millions! Chez moi, au Kassai, il n'y a pas de route. Les enfants sont en train de mourir à maman et moi, ici, à Kinshasa, parce que nous n'avons pas de groupe électrogène. J'ai vu la femme de Kamer et de manière pompeuse aller donner des groupes électrogènes là-bas. On va aussi en parler. Parce que Yépé Maram Tos, Aosala Toro, comprend la montée. Tout le monde est clair, on a 100 jours au mobile des coordonnateurs. C'est une bonne chose, c'est une Congolaise, elle est allée donner. Mais il ne faut pas qu'on nous fasse des opérations de saupoudrage. Monsieur le Président, 11 millions, 19 millions de dollars, ça peut acheter combien de couveuses pour Mama Emo? C'est quelle est conscience dans ce pays, mon Dieu? Comment on peut continuer comme ça, les amis? Comment vous voulez qu'on laisse des situations comme ça, sincèrement? Sincèrement. Et à la place, au lieu de régler les problèmes, ils sont en train de me menacer. Ils me promettent la mort. La vie des gens sont entre les mains de Dieu, les amis. Nous étions dans ce pays, les Zingzong étaient là. Nous étions ici. J'ai même dit ça aux gens des Digital Congo quand ils refusent de payer l'argent des gens. Vous n'êtes pas la première famille présidentielle. Non. Vous n'allez pas inventer la roue, les gars. Non. Les Mobutu étaient ici. Yoebi Saddam Hussein. Parce que la plupart sont venus avec des bottes en caoutchouc et des matelas en tête ici. Quand nous, on était ici avec les Mobutu, ils n'étaient pas là. Certains étaient en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, ou je ne sais pas moi quoi. On connaissait les Saddam Hussein, papa. Nkongoulou. Kongoulou Mobutu. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Vous pensez qu'aujourd'hui, parce que vous là, vous pensez quoi? Vous allez menacer les gens, ok. Vous allez tuer les gens. Et après? Mobutu a tué les gens. Kalev, le tout-puissant Kalev a arrêté les gens. Il est où aujourd'hui? On lui arrache un passeport, il est où aujourd'hui? Le seul maître de la vie des gens, c'est Dieu. C'est lui qui sait ce qui va venir demain dans ma vie. Arrêtez avec vos intimidations. C'est mon pays, je hausserai la voix. Je parlerai de ce qui ne va pas dans ce pays. Personne. Et alors personne ne peut m'empêcher. J'ai 3 enfants, je passe à l'avenir de ces enfants. C'est ça être un parent responsable. Certaines choses, je ne les dis pas pour moi-même, je les dis pour mes enfants. C'est grave. Monsieur le Président, réveillez-vous, c'est grave. C'est très grave. Donc arrêtez avec vos intimidations. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé avec un numéro privé, et puis il me fait un texto, il cite les noms de tous mes enfants, il cite les noms de leur maman, en me disant, monsieur, vous pensez que vous êtes plus fort que Dieu? Congolo, Makundaïwap, Congolo. Arrêtez-moi ces bêtises-là, c'est quoi cette affaire ici? Face à des évidences, des bêtises comme ça? Moi, je pars faire les dons à la prison Makala. Faites un tour par là, vous allez voir. Vous allez voir, les amis, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Faites un tour à Mama Emo. Vous allez voir comment les gens sont en train de mourir par terre. Vous voulez qu'on vous laisse prendre 19 millions de dollars pour vous seuls? L'autre a pris 200 millions ici. L'autre a pris 57 millions. Des maisons qu'il nous fait construire à 19 000 dollars la pièce. Des sauts de moutons qui n'ont ni tête ni cœur aujourd'hui. C'est devenu un cauchemar de circuler ici à Kinshasa. Mbokango Yabino. Bisoto Yabino. On va parler. Faites ce que vous voulez. Ce qui doit arriver dans la vie des gens. On ne vous laissera pas. C'est notre pays. Les amis, les Congolais, lèvons-nous. Nous appelons à la prise de conscience de nous tous. Ce pays nous appartient. Nos compatriotes qui sont à la diaspora souffrent. Ils sont dans les échafaudages. Certains sont en train de travailler dans des plongeons. J'ai fait un tour à Paris, j'ai vu dans quelles conditions nos compatriotes. Vous pensez que ceux qui sont à Paris, ils sont aux États-Unis, ils sont à l'aise? Ils souffrent. Ils doivent se réveiller à 4h du matin, rouler sous la neige, parce qu'ils ont de la famille ici. Appelle Nathan, non quoi Zobela. Appelle la midi, papa moi ça koufi. Non, appelle la pourquoi moi n'en casse. Comme si Bangouba qui est dans le rotambo, on a poto. Mais comment ils ne veulent pas revenir ici? En français, on dit on est mieux que chez soi. Mais ils vont revenir comment dans un pays pourri comme ça là? Que vous avez décidé de détruire. Ils seront à l'aise à revenir à Kinshasa. Les peu qu'ils gagnent là-bas, ils doivent envoyer ici. Nous qui sommes à Kinshasa, nous avons des frères au village. Parce que les irresponsables qui sont là, ils veulent gagner pour eux-mêmes.
La République des inconscients et des médiocres, comme disait le cardinal Mosengo. Comme le disait d'ailleurs dans son ouvrage, le sénateur Modeste Moutinga, Moutouchaï.